Après de longs mois de souffrance, Das retrouve enfin le sourire. À son arrivée à l'hôpital Clocheville de Tours la semaine dernière, ce petit Congolais de 5 ans souffrait d'une grave malformation cardiaque, la maladie bleue. Aujourd'hui, il est sauvé. À Brazzaville, où il habite, Das n'aurait pas pu bénéficier de cette opération vitale, faute de praticiens qualifiés. Cette chirurgie complexe est pratiquée en France dans seulement 8 centres hospitaliers, dont l'hôpital Clocheville. Depuis 2008, 200 enfants sont venus se faire opérer entre ces murs. Là, ils arrivent, ils ont des cardiopathies qui sont déjà vieillies. Et ils sont à l'article de la mort. Le lendemain de l'intervention, ils sont déjà beaucoup plus en forme qu'avant l'intervention. Et en 3 ou 4 jours, on a appuyé sur un bouton et on a sauvé la vie. Et il n'y a pas besoin de soins plus importants par la suite. Durant son séjour en France, Das vit chez Nicole, sa mamie, comme il la surnomme. Depuis 2 ans, elle est famille d'accueil pour ses enfants, avec qui elle garde contact après leur retour chez eux. Le départ de Das sera, comme tous les autres, rempli d'émotions. C'est très très fort, oui. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ils viennent pour se faire soigner, je le sais. Bon, évidemment, c'est dur, mais ça fait rien. C'est pour leur donner la chance d'être guéri, quoi. C'est l'heure de sortir de l'hôpital pour Das. D'ici 2 mois, il retournera dans sa famille en République du Congo. Comme lui, 85 enfants de la chaîne de l'espoir ont été opérés en France l'an dernier.